plus du casque, les combattants reçoivent des protections contre cette nouvelle arme. La guerre chimique a commencé. C'est à qui inventera les gaz les plus toxiques, comme le chlore, le gaz moutarde, l'hypérite, qui devra son nom à la bataille d'Ypres, en Belgique, faisant des milliers de morts. Le médecin-major Faller écrit. Les hommes deviennent violets. Ils demandent de l'air. Ils se plaignent de brûlures dans la poitrine et dans l'estomac. Nous avions tout vu, les blessures les plus affreuses et les avalanches de fer les plus meurtrières, mais tout cela n'est rien, à côté de ce brouillard qui, pendant des heures, long comme des siècles, a voilé à nos yeux l'éclat du soleil.